nous annonçons un grand événement. Vous savez, depuis mars de cette année, notre pays avait connu l'ambiance mondiale de Covid. Il y a eu l'état d'urgence, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont influencé pratiquement le monde dans le domaine de la santé, pratiquement dans cette maladie de Covid. Maintenant, nous savons qu'aujourd'hui, on a allégé certaines mesures, mais au moins la maladie n'est pas encore partie. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé par rapport à la Covid. Mais quelle est la vraie information? Nous avons écrit un livre et nous voulons présenter ce livre. Les jeunes qui viendront après, ceux qui sont aujourd'hui, pourront encore lire les informations sur ce que c'est Covid. Pourquoi le 1er octobre 2020 à 14h dans la salle de fête Africana Palace, nous aurons une grande activité à l'occasion de la journée mondiale du végétarisme. On aura une grande conférence et pendant cette activité-là, nous allons publier notre livre qui est le 21e dans le cadre de la santé et ça sera lutte contre Covid par les amis. Donc c'est un événement à ne pas manquer, un événement très important. Alors vous qui voulez participer, vous qui voulez lire, en tout cas faites un effort de nous joindre pour bénéficier de cette information. Valandino Swaganinga Jo, nous allons annoncer sortie officielle du livre Nabiso contre Covid-19. Livre Yango, écoutez cette information, nous sommes à Libo Senga. Pour n'envoyer pas les camoufles de Bongo Covid. Alors, Yom Toujil va encore en Angaï, Tchana Moukounayo, préparé à Olympique, au côté de Nigeria. Le 1er octobre, au Bandango à 14h, dans la salle Africana Palace, les livres à Nekobota. Bonne chance. Vraiment, Docteur Bobile, on est très content. Un livre où tu peux s'aller à l'eau. Je crois qu'il va tenir à découvrir la partie à livre. Voilà. Nos encouragements. J'ai dit important, c'est que nous avons ça là pour la santé et à l'issue de la malade. C'est une bonne chance que nous avons ça là pour la cimaté. C'est pour l'intérêt du peuple congolais. Les acquis ont opportunité pour nous avoir repéré la civilité de l'Obaka. Général Ben Massi, tu as commandé la ville, tout le monde qui est, tout le monde qui est. Tu as homme des actions. Et Dieu merci à commis commandant corps pour notre parc national, notre union. En tout cas, saison d'encouragement. Et on a écrit spécialement pour nous féliciter hier, qu'on souhaitait de vivre voir ma vie, félicitations. Et puis qu'on souhaitait une bonne carrière. On a dit que ma parc est bien plus de 9 parcs dans le bon cannabis. Alors, avec sa vision, à rendre en gros beaucoup plus grand et à matérialiser l'organisation parce que ce n'est pas que Zongi la vie, c'est aussi un autre financement à reste pour Namboka. Une fois de plus, en tout cas, félicitations, mon général. Et puis, il a dit que tourisme égale argent. Et une fois, nous sommes comme dans la hauteur, nous sommes comme là, nous vous encourageons, que nous avons un bousso. Il a dit que dans la carrière, on aura marqué les choses. Et dans le contexte est difficile actuellement, mais avec votre initiative, votre façon de travailler, les vies qui ont remonté par toi. En tout cas, encouragement, Mick. Merci. Oui.
1000 euros citron. Voilà, une journée qui a été caractérisée par la remise des invitations de la journée internationale du végétarisme. Alors nous avons été chez le général corps chargé de la protection des différents parcs nationaux. Nous avons été le général Massi Albert. Nous avons été chez Univers Congo, qui est notre partenaire. Et nous avons été aussi chez KIN 24, qui aussi fait partie de nos partenaires. Donc c'était là la journée d'aujourd'hui, qui a été caractérisée par une sortie des dépôts des invitations. Et là, je retiens à dire que nous sommes en train de lutter avec un objectif de sensibiliser sur le végétarisme et surtout sur les bienfaits des aliments sur la santé. Raison pour laquelle le 1er octobre, qui est dédié à la Journée mondiale du végétarisme, sera caractérisé aussi par la publication de notre livre sur le traitement de Covid par les aliments. Voilà un peu le travail que nous avons pu faire durant cette journée. Une fois de plus, merci et nous continuons tout notre travail et nous continuerons à vous servir parce que c'est ça notre passion. Merci.